Ah, les voilà, qui a mis mes lunettes dans les assiettes? Voyons, on pourra cacher l'aspirine.
une fourmi. Ses entrailles écrabouillées sur le ventre et le regard. Fais voir. Non mais regarde, comment il regarde. Putain, c'est incroyable. Comme s'il allait parler. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise avec une rafale dans les intestins? Bah oui. Il a rien à dire. Un sacre de taille. Et sa bouche ouverte, et c'est resté ouvert. Et comme toi quoi. Ta gueule, monstre. S'il vous plaît. Merci. Voilà, je vous ai invité ici pour qu'on se parle un peu et pour... Pour faire connaissance. Oui. Il n'est pas bon. Ça ira. Il n'est pas assez sucré. Non, il ne faut pas que le café soit sucré. C'est que... Il n'est pas assez fort. Vous avez une machine à café? Oui, mais elle ne marche pas très bien. Ça peut se réparer, elle fonctionnera mieux. Je peux jeter un coup d'œil après. Vous voulez vraiment? Qu'est-ce que j'allais dire? Ah, donc on est là pour faire connaissance. On a parlé au téléphone pour l'annonce. Oui, pour l'annonce. Vous vous intéressez à la chambre qu'on a l'intention de... Et comment ça se fait que vous ayez besoin d'une chambre? Je veux dire, vous étiez où avant? À la maison. J'étais à la maison, oui. Ah, et là, vous êtes parti de la maison. Oui. Et pourquoi vous n'êtes pas... Je te demande pardon. Je voulais dire que vous êtes un candidat très sérieux, si ça vous intéresse toujours. Merci, oui, ça m'intéresse. Mais il faut d'abord qu'on se mette un peu d'accord, vous comprenez, non? Si on doit habiter le même appartement, il faut savoir si... comment dire... Si on est compatible. Oui, c'est ça, si on est compatible. Bien sûr, il faut faire connaissance. Oui, il faut faire connaissance. Mais peut-être qu'il veut d'abord voir la chambre. Là, je suis déjà assis. Bon, sinon, je voulais d'abord vous... Ça, c'est Mickey. Vladimir. Vous gênez pas, Vladimir, je voulais juste finir mon journal. Lui aussi, il habite ici. Ah bon? Mais lui, c'est un vieux copain. Vous pouvez poser des questions, vous aussi, hein, si vous voulez. Oui, pour détendre l'atmosphère. Merci, Marcha. Allez-y. Donc, c'est votre copain? Comment? Vous avez dit que c'est un copain? Ah oui, son copain, ils vont ensemble à la fac, lui et Marcha. Ah! Son collègue d'université et son copain. Non, mais c'est un copain à tous les deux. Je vois. Et l'appartement, il a un propriétaire? Oui, moi. Je veux dire, il n'est pas exactement à moi. Je loue, c'est moi qui paye. Je vois. Et quel âge avez-vous? Bientôt 21 ans. Et vos parents? Ma mère habite ailleurs avec quelqu'un. Et le père? Il est mort. Mes condoléances. Oui, et maintenant... Non, je regrette vraiment. Merci. Et de quoi vous vivez? Vous travaillez? Rien de permanent pour le moment, je pense qu'il y a. C'est pour ça que je loue. Et s'il nous disait quelque chose de lui à son tour? Je vous en prie. Je veux pas vous offenser, mais vous ne trouvez pas que vous êtes un peu vieux pour lui? C'est pas une question, ça, Mickey. Non, non, qu'il pose la question. Eh ben, c'est un appartement où on partage tout, quoi. La salle de bain, la cuisine. C'est important qu'il n'y ait pas trop de divergences d'attitude. Quelles attitudes? Alors, le ménage, la musique. Je n'écoute pas de musique. Ah. Ça vous dérange si quelqu'un en écoute? Non, ça ne me dérange pas. Vous n'auriez pas peur, vous, peut-être? Peur? Moi? Pourquoi? Vous vous cachez derrière ce journal. Comment? Regardez-moi dans les yeux, allez-y. Voilà. Bien.
Soyons courtois. Comme ce n'est pas courtois de lire un journal. Non, ce n'est pas courtois, si on est en compagnie. Bravo, Vladimir. En plus, vous avez renversé votre café. Ah, il m'a repéré. Vous y allez direct, vous. C'est ça le plus important, être honnête les uns avec les autres, non? C'est ça. Mais toi, pourquoi tu prends son parti tout de suite? On n'est pas nous trois ensemble. Il faut se faire confiance, sans cela, il n'y a rien. Sans cela, il n'est pas possible de se parler. C'est l'expérience qui parle, hein, votre âge, tout ça. Il faut dire ce que l'on pense, mais il faut aussi écouter ce que pensent les autres. Oui, vous avez raison. Et si on décidait comme ça? Macha peut venir dans ma chambre et vous deux, vous pouvez rester dans celle-ci. Vous croyez que ça pourrait marcher entre nous? Oui, je crois. Pourquoi? Je pense qu'on pourrait s'aider les uns les autres. On n'est pas une institution sociale. Qu'est-ce que vous voulez dire par s'aider les uns les autres? Mettons, je ferai du bon café, non pas que celui-ci... C'est la machine à café qui marche pas. Oui, s'il y a des réparations à faire, je sais faire ça. J'ai l'impression qu'ici, il y aurait des choses à faire. Et vous, comment vous allez profiter de nous? J'aime bien la compagnie. J'aime bien me sentir à la maison. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Vladimir? Je suis gardien, de nuit, sécurité. Mais pourquoi vous riez? Ça vous fait rire? Non. Maintenant, je comprends pourquoi vous n'avez jamais peur. Sécurité pour son propre compte. Ne m'en voulez pas pour la question, mais vous, vous ne riez jamais. Arrête, Mickey! Tu permets que je pose une question à monsieur, hein? Sinon, pourquoi tu m'as dit d'être là? Gardien, intéressant. Et qu'est-ce que vous gardez? J'étais gardien, je ne le suis plus. J'étais gardien dans un stock. Ah, et là maintenant, qu'est-ce que vous faites? Ça. C'est quoi ça? Elle est jolie. Qu'est-ce qu'elle représente? Une planète? C'est une boule. Ah, une boule. Merci de l'avoir dit, j'aurais pu penser que c'était un triangle. Vous l'avez fait vous-même? Oui, et ça aussi, je l'ai fait moi-même. Et ça, c'est quoi? Un homme. C'est un homme. Tu ne vois pas que ça a une tête, machin? Et des jambes et des bras. Vous fabriquez ça vous-même et vous les vendez? Ah non, ça non, c'est pour moi et pour les amis. J'ai une autre question à vous poser. Je voudrais savoir si... Et vous n'avez jamais été marié? Comment? Si la question vous paraît trop personnelle... Non, oui. Oui, j'étais marié un certain temps. Je vois. Et qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois pas. C'est la vie. Oui. Quoi? Oui, de quoi vous parlez? C'est la vie, Mickey. Vous aviez une question. Je voulais juste dire que... Oui. Que je suis d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure. À propos de la peur et de la confiance. Vous savez, j'ai vraiment besoin d'une chambre. J'étais parti un certain temps et maintenant je suis revenu pour me stabiliser, pour prendre racine, comme on dit. Bon, attention, il faut peut-être comprendre ça littéralement. Qu'est-ce que tu murmures? Et Mickey, ne te comporte pas comme si on était tous des cons incapables de se parler. Vous en faites pas. C'est moi le con. Ne m'en voulez pas, si on m'avait donné une aspirine tout à l'heure, je serais sûrement très impressionné par votre boule. S'il n'y a plus de questions, je vais peut-être partir. J'ai des choses à faire. Il y a un truc qui m'intéresse. Bon, je serai direct. Hein. Je voulais savoir dans quel sens vont vos préférences en ce qui concerne la couleur du papier toilette. Moi, par exemple... Mickey! Non, c'est vrai. C'est vachement important. Le diable est dans les détails. Moi, je ne supporte pas le mauve. Si le matin, dans les chiottes, je tombe sur quelque chose de mauve, j'ai immédiatement une migraine. À tout cul son goût, comme on dit. Ne l'écoutez pas, il dit toujours des bêtises. Nous n'avons rien dit du loyer. Oui. Pour ce qui est du loyer... Quand est-ce que vous me direz si j'ai la chambre? Demain... Matin. Vous pouvez lui passer un coup de fil demain matin? Sans problème. Et à ce moment-là, nous discuterons du loyer. Bon. Alors, je vous raccompagne. Au revoir. C'était un plaisir. Ah, elle est là, votre chambre. C'est très bien. Vous n'en ferez pas? Je vois que c'est très bien. Au revoir. Bon, bah voilà. Quoi, voilà? Ah, le mec, il a déjà un appartement et à l'aise, il est impressionné, il est fasciné. Quoi, toi, tu ne trouves pas qu'il est OK? Moi, demain, je vais chercher une chambre. Ah, mais fais pas chier. Mais vraiment, Mickey, tu étais vraiment pas sympa. Il est quand même génial, quelque part. Il vous a eu sans rien vous dire de lui-même. Ah, vous, Mickey, qu'il nous a posé des questions bien plus intelligentes que nous? Par exemple? Bah, par exemple, la tienne à propos de son âge. C'était trop con. Moi, j'étais sincère. C'est des préjugés, ça. Et à la fin, le goût du papier cul. Ça manquait de goût quand même. Si je partage l'appart avec quelqu'un, je veux connaître ses habitudes. Mais c'est ce que je dis, une question de goût. Mais c'est pas possible que toi aussi tu le trouves. Ah, j'ai rien contre lui. Il est un peu bizarre, c'est vrai. Un peu bizarre?
Tu appelles ça un peu bizarre. Mais c'est ce qu'il y a de plus intéressant, même si c'est probablement très simple. Sa femme l'a foutu à la porte et alors... Et alors lui, il vient chercher une solution ici. Et toi, t'as pas de problème dans la vie, toi? Oh, j'en ai un, maintenant, ouais. Il aime bien la chambre. Qu'est-ce qu'on décide? On le prend? Non. Oui. Moi aussi, je dis oui, Nikki. Il est différent, peut-être un peu démodé, ça pourrait être marrant. Un gardien de stock, tu te rends compte? Un gardien? Moi aussi, je l'ai déjà un mois, t'as oublié? Je savais pas que t'avais un problème avec ça. Mais attends, c'est pas la même chose. Tu te prends pas pour la dernière des merdes, hein, toi, à la fac. Ouais, allez, bon, fais pas chier, c'est pas ce que j'ai dit. Pourquoi tu m'agresses? Mais on est différents, c'est comme ça. On n'est pas tous faits pour vivre ensemble. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, bon, moi, ça m'est égal, si vous voulez. C'est marrant. Qu'est-ce qui est marrant? Ce qu'il m'a dit à la porte. Il m'a dit qu'il a compris. Et qu'est-ce qu'il a compris? Ben, je n'en sais rien, moi.